Hello la chat fame, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vignette et sur le titre, pour changer de tête. Voilà, donc j'ai tout simplement envie de changer de tête. Voilà, tout simplement. Donc pour cela, on va se colorer les cheveux ensemble, je sais, avec du rouge. Donc je crois que j'ai fait du rouge, mais il y a des décennies quoi. Je crois que ma première coloration, lorsque j'étais au lycée, ça a été du rouge. Et enfin, plutôt des mèches, hein. Pas la tête entière, sauf que là, on va faire la tête entière. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ce ne sera pas une catastrophe. Au pire des cas, j'ai une coloration en plus dans ma salle de bain, au cas où. Voilà, mais bon, on va essayer de jouer le jeu. Donc aujourd'hui, je vais venir appliquer et me colorer les cheveux avec vous, avec le Colorista Washout. Donc j'avais reçu le Washout ainsi que le spray en fait, qui dure qu'une journée en fait, voilà, qui était bleu turquoise. Donc j'avais déjà testé une mèche, mais avec mes mèches en fait c'était pas top. Voilà, mais je le testerai ou sur moi ou sur ma soeur, on verra bien. Mais là aujourd'hui donc je vais appliquer avec vous le Colorista, le Washout que j'ai en teinte Red Hair, donc rouge. Comme vous pouvez le voir, voilà, donc j'ai les cheveux châtain clair, donc normalement ça va bien tenir, ça va bien marcher dessus, et ils sont méchés. Je sais pas si vous arrivez à distinguer en fait les mèches, j'ai des mèches miel, voilà, donc je pense que ça fera un effet méché, hein. Là où j'ai mes mèches miel, ce sera beaucoup plus clair. Voilà, donc c'est une coloration éphémère dans le sens où en fait elle va s'estomper au fur et à mesure des lavages, au fur et à mesure des shampoings en fait. Voilà, mais elle est censée tenir 14 jours, et si vous voulez vraiment vous en débarrasser le plus vite possible, il existe un shampoing en fait qui permet en fait de faire partir plus rapidement la couleur. Je pense que je vais aller me l'acheter, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'ils en disent? Donc s'estompe shampoing après shampoing, les couleurs vives sur cheveux foncés durent 7 à 15 jours. Voilà, donc moi en général j'ai l'habitude hein, de faire des colorations, je ne fais pas d'allergie, j'espère que j'en ferai pas. Donc appliquer la couleur sur des cheveux bruns ou sur cheveux éclaircis pour plus d'intensité, laisser poser la couleur entre 20 et 30 minutes pour un résultat plus intense et plus durable. Pour un look personnalisé, amuse-toi à appliquer des couleurs différentes sur tes mèches pour estomper la couleur washout et accélérer le retour à la couleur initiale. Utilisez le shampoing Fader Colorista à la place de ton shampoing habituel. Voilà, donc je pense que je vais aller me l'acheter. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons des gants importants, la notice ainsi que le tube en fait, le tube de colorant. J'espère que ça suffira, hein. C'est un tube de 80 ml. En général, moi, je mets du 100 ml en coloration. J'espère que ça ira. Alors, vous avez la notice avec les trois styles en fait d'application. Donc, vous avez soit le look tête entière, donc le total look. C'est celui que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Soit le look ombré. Donc, en fait, juste en bas, mais je trouve que bon, c'est un peu passé de mode, le ombré. Et le look balayage. En fait, c'est une sorte de grosse mèche. Mais enfin, voilà quoi. Donc, nous, on va s'atteler au look entier. Donc, à l'intérieur, nous avons le tube colorant, comme je vous ai dit. Deux paires de gants, parce que là, on va appliquer. Mais ensuite, lors du lavage, on va en avoir besoin. Parce qu'à mon avis, ça va être Dexter, hein, voilà. Il faut une serviette de couleur foncée. Donc, moi, j'ai pris celle-ci, hein. C'est une Lulu Castagnette. Et une crème hydratante en fait, la crème hydratante, je ne sais pas si vous connaissez cette petite astuce en fait, il suffit de mettre au niveau du pourtour, juste à la racine de vos cheveux, pour éviter en fait de tâcher votre peau. Voilà, donc lave et sèche bien tes cheveux, la couleur pénètre mieux sur cheveux propres et secs, démêle tes cheveux. Donc moi, mes cheveux ils sont propres, ils sont secs, voilà, donc on va venir appliquer, recouvre tes épaules d'une serviette pour protéger tes vêtements. Voilà, enfile les gants, n'oublie pas de porter lorsque tu les rinces, n'oublie pas de les porter lorsque tu rinceras les cheveux. Avant de te colorer la tête entière, tu peux tester la couleur sur une mèche pour être sûr d'aimer la couleur. Enfin bref, allez, let's go. J'ai trop peur. Donc je vais venir les coiffer dans un premier temps parce que voilà quoi. Ils sont bouclés. Mon dieu, je sais absolument pas dans quoi je m'embarque, mais j'y vais, tant pis.
Voilà, donc j'ai sectionné mes cheveux en deux et j'ai tout mis à l'avant, comme vous pouvez voir. Alors par contre, il faut commencer à 2 cm, je vais faire l'arrêt au milieu, il faut commencer à 2 cm au niveau de la racine. Donc on va commencer par là. Ouais. Hop, allez, on va enfiler les gants. Mon Dieu. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on ferait pas franchement. Donc, une paire de gants. Ouais, il y en a bien deux. Deux paires, allez c'est parti. Hop hop hop. J'espère que ça va bien donner, hein. Sinon je suis bonne pour en refaire une autre. Commence l'application de la couleur à deux doigts environ des racines pour un look plus moderne. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Presse le tube colorant dans la paume de ta main gantée et applique la couleur directement avec les doigts. Allez, c'est parti. Quelle horreur, on dirait vraiment du sang. Ah, on dirait du sang. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça c'est génial parce que moi j'aime pas trop l'odeur de l'ammoniaque. Elle me donne des maux de tête. Voilà, allez, c'est parti. J'ai déjà sali mon pantalon, heureusement qu'il est noir. Voilà, en fait c'est simple hein, d'application avec les doigts comme ça. C'est mieux qu'avec le pinceau. Moi j'ai l'habitude d'appliquer avec le pinceau. Les gants par contre ils sont super grands. C'est pas le top, je les perds. Mes mèches, elles sont déjà rouges. Hop. En tout cas, c'est pas évident avec ces gants qui sont trop grands. Allez, on fait l'autre côté un petit peu. Je me suis taché le visage, il faut absolument que je m'enlève ça. Sinon, hop, c'est comme ça que la serviette. Oh non, j'ai la serviette qui commence à se barrer. C'est vrai que je me suis blessée là. J'espère que ça part assez facilement parce que sinon on est dans la mise. Allez, presque terminé. Ouais, c'est salissant. Hein. C'est quand même assez salissant. Bon, après, vous avez plein d'autres couleurs. Hein. Vous avez des couleurs pastel. Mais bon, il faut, pour les couleurs pastel, il faut être clair hein, de cheveux. Hein, parce que sinon, ça tient pas. Sinon, il faut décolorer. Mais bon, je vous déconseille la décoloration. Parce que ça fragilise vraiment la fibre capillaire. C'est pas top. C'est vraiment pas ce que je vous recommande. Voilà. Après, vous avez du violet. Vous avez... Je pense que la prochaine fois, je testerai la couleur que de Sananas. Là, la marron glacée. La marron chocolat avait l'air très très belle. En tout cas, c'est suffisant en fait. Hein. Je pensais que ce serait pas suffisant, mais ça suffit largement. Donc voilà pour la coloration. Je vais laisser poser 20 à 30 minutes. Et ensuite, mon Dieu, regarde-moi ça. Et ensuite, ben, je vous reviens. Voilà, donc là, j'ai j'ai lavé mes cheveux. Je me suis démaquillée aussi parce que c'est pas possible de se laver sans se démaquiller. Allez, on va sécher les cheveux. Je vais utiliser ma brosse soufflante que j'ai depuis 3 ans, je crois. C'est celle de chez Philips. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, je vais m'arrêter là en fait pour cette fois-ci. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est joli, ça va. C'est pas trop choquant en fait. Comme ça, on le voit pas trop, mais je pense qu'à la lumière du soleil, ça va péter. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, quand je regarde comme ça, c'est super rouge quoi. C'est rouge flamboyant. Mais sinon, comme ça, ça va quoi, ça passe. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé, on verra si ça part dans 15 jours, je vous dirai de toute façon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi,
Dites-moi si vous, vous avez testé un de leurs produits. En tout cas, c'est mignon. Voilà. En tout cas, c'est bien pour changer un peu de tête. Et puis voilà. Donc voilà ma chatte fame, j'espère que cette vidéo coloration en direct vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.